Salut à tous, c'est Quincy, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Fondation et on continue tout simplement cette partie qu'on a lancée depuis quelques temps déjà. Bien évidemment avec tous les modes, ça n'a pas changé, c'est les mêmes. J'en ai pas enlevé parce que sinon je pourrais plus vraiment jouer a priori. Et j'en ai pas rajouté parce que a priori il n'y en a pas besoin pour l'instant. Alors, on continue un peu notre développement, sachant que là... Là, il se trouve que, bon, ça, pour l'instant, ça marche pas des masses, parce qu'a priori, il lui faut de la pierre taillée, il en a pas encore assez. Pas d'accès à la nourriture. Toi, tu n'as pas d'accès à la nourriture. Carburant. Carburant, c'est... si c'est bon, on a réglé. On va pouvoir commencer à faire la bière, le blé, tout le tas de soins ici. Rapidement, très très rapidement. En espérant qu'on garde un tout petit peu de place ici. Alors vous êtes à combien? 50 sur 60? Ouais, il y a encore de la place. Toi par contre, t'es 3 sur 6. Ils sont déjà 3. Ils sont déjà 3. J'imagine que pour la bière... On a pas mal de trucs ici quand même. Et pour la bière, ça va être la brasserie... Ferme de houblon, ça va être normal, et ça, à mon avis, ça va être du roturier. Marchand qui demande une audience, de la laine pour le roi. J'en ai pas des masses en stock. On a beaucoup en production, en sortie de production, en stockage, on n'a pas tellement. J'aurais bien voulu, mais désolé. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ici on est toujours bon. Bon, la nourriture ça remonte, ça redescend, c'est ça va, ça vient. Vite fait là, les bâtiments, est-ce qu'on a besoin de choses? Non. Parce que les cours de récupération, on n'a pas forcément besoin de mettre ça plus que ça. Elle me sert pas à grand chose en fait. Parce qu'ils font le taf tout seul quand même. Mais c'est pas grave, on va dire que ça passe. Du coup, les nouveaux arrivants, bon, on n'en a pas besoin tout de suite. Là, il faut qu'on fasse l'église en pierre qui coûte cher à cause des outils et qu'on va récupérer. On va en récupérer pas mal quand même. Du coup, est-ce qu'il serait pas l'heure d'emmener nos petits soldats à la bataille? Ça pourrait. Alors, on a de la très difficile, de la difficile et de la moyenne. Les soldats, ils ont pas encore pris trop de niveau, donc il va falloir attendre un petit peu. Nourrir l'armée, pièces d'or, blé, mixture, farine, viande, machin. Pourquoi pas. Escorter des marchands, outils. Ça, outils aussi. On sait quoi, on va nourrir l'armée dans un premier temps. Ah oui, rien que ça. C'est quoi, tu vas prendre des niveaux... Niveau 4, niveau 3, niveau 3, niveau 2. Voilà. On va essayer de les former. Escorter les marchands, on y met un soldat, deux miliciens. Ce sera largement suffisant. Quoique je peux les garder, eux, pour autre chose. Voilà, faire en sorte qu'ils récupèrent un peu d'expérience. Et là... Hop, c'est parti. Capturer une troupe, pièce, lance, épée. Petits vêtements, machin. Hop, c'est parti. Donc eux, ils partent tous là en campagne. Ils sont tous en train de se rassembler, de venir ici pour repartir derrière. Ça va être bien. Ça ne monte pas. Bon, alors, c'est comme je disais tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas de pierre taillée, lui, il va rien produire. Les pierres taillées, on va en avoir, c'est juste que, bah, ici, elles sont toutes utilisées pour ça. 230 sur 263, donc ça ira mieux tout à l'heure, mais là, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est non. La petite sauvegarde en cours, normal. Ça me rapportait un peu de thunes, c'est bien.
Et ça va faire monter pas mal de choses. D'autres trucs à payer? Non. La noblesse, faudrait monter de niveau, mais ça, ce sera plus tard. Et puis après, il y a tous les tiers états où on n'a pas grand chose, malheureusement, pour l'instant. Taxe sur les boissons, alors qu'on pourrait avoir quand même plus de trucs. Matériaux de construction. Produit 1 d'autorité, matériaux de construction. Chambre de l'intendant, ouais, ça pourrait être pas mal quand même, mais ça va prendre un peu de temps. Là, c'est tout ce qui va être argent, sculpture, ferme d'élevage, les cochons. On a tout ça aussi qu'on pourra mettre en place. Les tonneaux, ça va être important. L'émissaire qui demande une audience. Alors, c'est l'hiver, donc forcément, là, ça va pas être top. Même si on a encore pas mal de marge. À la place des provisions, on va prendre un peu de thunes. Pas d'accès à carburant. Il y a zéro carburant ici. C'est quand même fou qu'on ait pas de carburant. Qu'on ait pas tant que ça de bois non plus. C'est assez violent quand même. Est-ce que de la bouse, est-ce qu'on en a? On n'en a pas tant que ça du fumier. Il y en a un peu ici et là, un peu partout. Mais... ouais. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Donc là, on est vraiment... j'adore. Ou alors, est-ce que c'est parce que c'est pas fini et que ça va repasser en normal derrière? J'ai l'impression, parce que les autres, elles étaient construites comme ça. C'est marrant qu'ils aient pas mis les vraies textures. Enfin, bizarre. Qu'a priori, ils ont pas mis les bonnes textures pour la construction. C'est pas très grave. Pas d'accès à nourriture. Les moines n'ont pas d'accès à nourriture, ça peut être un problème. Pourquoi il n'y a pas de nourriture ici? C'est fou quand même. Et on y en a un paquet. C'est assez violent parce qu'ici on est censé avoir quand même un... on est censé produire un peu de trucs quand même, mais pas des masses. Les herbes vite fait, les repas monastiques, ouais vite fait. Ça consomme un max de poissons par contre. Peut-être pour ça, remarquez. Pourtant, il y a du poisson là, donc. Ce que je comprends pas en fait, c'est qu'il y a. Si, bah si, ils viennent le chercher quand même. C'est bizarre. La logistique est un peu bancale de temps en temps. Je pense qu'on va pas se le cacher. Ouais, vous voyez, ça redevient correct après, donc c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Les nouveaux arrivants, c'est la même chose. Mais bon, là, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose, à part attendre. J'ai un max de fer. On va pas le vendre, ça servirait pas à grand-chose. J'ai re beaucoup d'outils. Soldats victorieux. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre en place une ferme de blé. Ferme de houblon derrière aussi. Voilà. Donc ces deux-là, ça. Donc on va avoir du blé ici. On aura du houblon ici. S'il en faut, j'en remettrai une autre de houblon là. Et on fera 2-3 trucs autour. On pourrait
Honnêtement, c'est quoi ça? Verger. C'est vrai qu'il y a les vergers aussi. On va mettre ça dans les trucs. On va mettre deux ici, ce serait pas mal. Ça avance un petit peu. Pour qu'on puisse débloquer ça après. Sachant que toi c'est bon, tu commences à produire des trucs ou non, toujours pas. Enfin, produit vite fait quoi. J'ai quoi d'autre comme... plancher pierre, baie herbe, bougie machin, compost et outils. Pop pop pop. Sachant qu'il faut des objets usuels, là c'est, ça demande énormément de trucs. Et de la cire. Du miel et de la cire, tiens. Ça pourrait être intéressant. Archiviste. Deux d'autorité avec un manuscrit. C'est quoi, on va l'acheter, nous. Toi, faut que tu sois frère ou sœur. Ça pourrait être utile. Il nous faudra un autre... C'est quoi ça? C'est la cuisine, donc ça c'est le réfectoire. Le scriptorium, il nous en faudra un autre de scriptorium, très certainement. Chose qu'on pourrait mettre aussi au passage, c'est le collecteur d'ordures. On va le mettre là, tiens. Hop. Parce que on commence à avoir pas mal d'ordures à droite à gauche. C'est toujours bonus de récupérer ça. Donc pourquoi pas. Et je pense qu'on va avoir besoin de faire des maisons supplémentaires vers ici. Maison de serre faible haute densité. Comme ça. On va mettre ici et on va remettre une. J'aime pas tellement en bois comme ça. Et on va remettre une comme ça. Hop. Ça en fait 3 de plus. C'est pas mal. On peut toujours construire un truc ici. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Ça, ça a été construit, pas encore. Il manque quoi? Deux pierres. Trois pierres, ouais. Ah, ils apportent et puis ça va le faire. Collecteur d'ordures construit. Donc dès qu'on a des gens en plus, on va pouvoir les amener là. On a le collecteur. Ça, c'est en train d'être construit. C'est bien. Pas d'accès à carburant. Et un bar. Ça n'est pas un collecteur, ça va être une collectrice. Des outils en plus. Pas mal de choses ici, c'est bien. Ça, faudrait que ça se construise un petit peu plus. Mais au moins, ici, on aura, quelqu'un qui va nous faire... 4 bois, 2 pierres, 1 fer à l'aide des déchets. C'est toujours ça de prix. Niveau de là, on est bon. Niveau de ça, on est bon. Ouais, dans l'ensemble, c'est pas mal. Hop. Allez, hop. Juste avant la fin. Ça. Champ, peinture. Que ce sera largement suffisant pour le houblon. Donc là, on va pouvoir commencer à créer du houblon. C'est bien.
Nouveau récit, soldat épuisé. Oh bah non. Ils étaient bien mes soldats là pour l'instant. Pour le... Non ? Ils sont pas si épuisés que ça, faut pas déconner. Ça va. Ils sont tous revenus, ils ont tous rapporté des trucs. C'est génial. Et alors on va donc continuer notre monastère ici. Pour ça, voilà. Le réfectoire. Est-ce que je pourrais rajouter 2-3 trucs? J'ai vu 2-3 trucs qu'on pourrait rajouter. Tiens, ça. Permettrait d'avoir une division entre les bâtiments. Qui serait cool. Il est mural. C'est pas... Oh, Celtic, c'est quoi ça? Tellement cher ce truc. Ça rapporte pas grand chose. Ce que c'est. Mais donc non, en fait, partir sur quelque chose comme ça, puis après on va pouvoir mettre... Ouais. Toi, tu vas construire ça. Voilà. On va attendre que ça se construise. On va attendre que ça... Oh, parce qu'il y a des déchets, la vache. Chose qu'on n'a pas regardé, a priori c'est bon, mais sécuritairement c'est comment? Sécuritairement, ça c'est pas top et ça c'est pas top non plus. Du coup. Rajouter un petit poste de garde ici en vrai garde non c'est pas un clocher qu'il me faut petit tour de garde deux gardes en plus sachant que voilà ça va se mettre on va pouvoir le mettre comme ça. Avec porte de la tour ici. Porte de la tour ici. Des. Petites meurtrières ici et là. Ça devrait aider ici. Ça devrait aider ici un petit peu aussi. Donc zouf. Donc comme ça, ça va nous faire les murs et les machins. Des pierres, des murs, ça va. Dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Ça, on pourra rajouter quelqu'un ici. Ça fait des trucs bizarres de temps en temps, ça se chevauche. Pas très très grave. La ferme de blé. On va pouvoir définir. Comme étant. Ici. Oh, ça me plaît. Les trois là, vous allez venir. Ici. C'est dense, hein, la vache. On va rajouter un peu de houblon. Hop, hop. Ça construit. Ça, c'est des pierres et des outils, d'accord. Tu peux pas y accéder de ce côté-là, non. A priori, non. A priori, c'est trop demandé. Oui, c'est vrai qu'on a des, nos baies aussi. Hop. Les baies qui vont être très utiles. Parce qu'on en a besoin. On n'en a pas des masses. Donc il nous en faut. Ça fait.
ça fait les petits villages très denses quand même. Ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de... On n'a vraiment pas assez de place, quoi. De points, surtout. Mais du coup, l'autre... Voir combien ça coûte, parce que là, 46, ce serait pas mal. On va attendre qu'ils viennent me construire la tour ici, quoique non, je peux. Scriptorium, construction des livres, ferme monastique, cuisine monastique, entrepôt du cellier, jardinier, trésorier, bibliothèque de l'archiviste. Deux à partir d'un manuscrit. Et on a eu un passage rustique comme ça. Attends. Te coller. Ça fait une grosse pièce. Il faut juste une pièce à lui. Avec... on va lui mettre... Tiens, c'est marrant, la grande antenne... Ah si, quand même. J'avais l'impression que la grande entrée modeste, il en voulait pas, mais si, si, ça passe. Ça passe, ça passe. Est-ce que on peut te mettre, je sais pas, moi, une modeste croix? Ça, c'est l'archiviste. Il n'a pas besoin de plus, donc on va lui mettre ça comme ça. Hop. Il est déjà là. Nouvel arrivant. Alors... L'émissaire, tu veux quoi? Outils en surplus. Pour de la bière. On va en faire de la bière. Alors, désolé pour nos amis, mais pour l'instant, non. Et alors, ici, ça manque de cuistot. Donc, on va faire. On va prendre des nonnes plutôt. Une ici, une là. On va mettre. Femmes, voilà, au monastère. Ça va nous faire des nonnes. Et eux, on va les mettre... J'ai déjà du monde ici. Oh, j'ai déjà du monde ici. Ils vont commencer à taffer là. On a vu qu'on avait déjà... On voit, voilà. Il nous en faut deux de plus. Promouvoir un soldat. Chevalier direct. 12 secondes les copains. Par contre. Promouvoir à frère, on pourrait promouvoir à sœur. On en a promu deux. Là normalement ça devrait être bon, j'imagine. Ça m'a l'air tout bon. Est-ce qu'on a... Non, on a personne sans emploi, donc c'est parfait. Il y en a deux qui avaient pas l'air d'être terriblement contente, mais c'est pas très grave. Et donc lui, il va commencer à nous créer des trucs. Alors, il va falloir voir ce que ça donne au niveau des manuscrits, s'il va nous falloir un autre, encore un autre niveau de manuscrit, ce qui serait pas impossible. Mais bon, là pour le coup, ici. Ça fonctionne. Là, ça fait des maisons. C'est tout bon. Herboriste, machin, gardien, attendant, archiviste, responsable du réfectoire, producteur de légumes. Il est où mon arme monastique? Ah d'accord, ça fait que ça. Ouais, bon c'est pas grave. Je pensais que j'avais de la viande, mais non. Non, non, non.
Bon, bah, ça se plante ici aussi. On va voir, ça commence à récolter un petit peu. Donc, c'est pas mal. Là, ça va commencer à récolter un petit peu par la suite aussi. Nouvel arrivant. Ouais, toi, vous pouvez tous venir ici. On va faire des baies, tiens, pour l'instant. C'est relativement important. Et ça, ça a l'air de bien avancer. Ça monte bien, donc. Écoutez, c'est pas mal. Les manuscrits, ça a l'air de pas tomber plus que ça. C'est pas mal non plus. Ok, écoutez, si ça, ça va et que lui, il fait son taf, bah... J'aime autant. Il y a deux archivistes, d'accord. Ça peut monter très vite, en fait. Ça peut monter très vite, ce qui va nous permettre de venir taper là-dedans aussi. On fera un verger, je pense, là-dessus. Les pommes et compagnie. Techniquement, vu comment le soleil vient plutôt de là-bas, tout ce qui est vigne, il faudrait mettre ça sur des pans de montagne. J'imagine que c'est vers le sud, là, donc on va mettre ça sur les pans de montagne au sud, quand même. Parce qu'il faut du... Mais bon, les vignes, on n'en a pas encore. Ce sera une question qu'il faudra se poser quand on aura besoin de se la poser. Impôts, nourriture, carburant, ouais, c'est pas... On va baisser les impôts, tiens. Ce sera un peu moins, mécontent. Parce que c'est pas évident hein, de les garder contents tout le temps, tout le temps. Pas d'accès à carburant, surtout l'hiver, là. Température froide. 14 jours, 14 jours. Ah, le coup des saisons, c'est... C'est quand même ultra violent. Hein. Je crois que s'il y a vraiment un mode de difficulté, c'est celui-là. C'est les saisons, c'est... Ouf. Ça pique. Hein. Les nouveaux arrivants... Bon, on peut en mettre un là et on peut en mettre un là aussi. Donc ouais, c'est parfait. Un fermier ici. Un cueilleur ici, et niveau cueilleur, on va être bon. ...5/18, ouais, il y a de la place. Mais c'est vrai que de pouvoir placer les maisons comme ça, ça nous permet de faire des trucs quand même beaucoup plus denses. Beaucoup plus sympas. Qui, du coup... Parce que sinon, si on avait des maisons normales, là, je vous dis pas comment ça aurait été la galère pour tout mettre. Ah bah, il va nous falloir des moines en plus, tiens. Il va nous en falloir deux de plus. On va bientôt plus avoir de place. L'église qui fonctionne, 195. Bon, l'avantage, c'est que voilà. Il y a de quoi héberger 2-3 pèlerins. Vu comme ça, c'est pas dégueu. Ça récolte un tout petit peu. Ça permet de récolter des masses. Comparé au houblon. Ouais, ça a pas l'air de récolter des masses, Donc l'avantage, c'est que la 21... Donc on va pouvoir acheter un territoire à côté. Donc ça, ce serait 20. 10 pièces par mois. Il y a celui-là aussi qu'on pourrait acheter direct, mais ce serait un peu trop violent. Je pense qu'on va acheter celui-là. Il va falloir taper là-dedans, commencer à faire des, commencer à déboiser tout ça. Ça va être sympa. Mais c'est vrai que là... Acheter ce terrain-là. Et hop. C'est fait. Marche bien celui-là.
C'est plutôt cool. Allez, continue de déboiser ici. Non, hop. Vous allez me faire tout ça quand même. On va continuer de les faire travailler ici un petit peu. On déboisera ça après. Quoi qu'on pourrait commencer à déboiser maintenant en fait. L'idée étant de venir faire un verger à terme. Et là, si on arrive à gagner assez de points comme ça, bah ouais, il n'y a plus de manuscrits en fait. Donc il va nous falloir... Il va nous falloir d'autres manuscrits. Donc il va nous falloir pas mal de monde. Il va nous falloir pas mal de monde. Mais on fera ça au prochain épisode. Et tu vas falloir... Je vais mettre de la pêche. On va faire plus de pêche ici. Il y aura les pommes. Qui vont nous apporter une source de nourriture non négligeable. Donc on va faire poisson, pomme, et on verra ce qu'on peut mettre d'autre aussi. Mais ça va être nécessaire là. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il y en a pour... il y en a pour un peu de temps encore. Hein. Parce qu'il y a un gros château à faire, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on se retrouve très rapidement. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !